Alors dans la vidéo précédente, on avait vu comment trouver euh, les valeurs propres puis les vecteurs propres associés à une matrice de 2. Et dans cette vidéo, on va essayer de faire la même chose dans un cas qui est un petit peu plus compliqué parce qu'on va prendre une matrice 3, 3. Ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est que lambda est une valeur propre. Est une valeur propre. Propre. Si et seulement si si et seulement si le déterminant de la matrice lambda identité euh, lambda identité moins a est égal à 0. Et on va utiliser ici cette, cette, cette équivalence pour trouver les valeurs propres de cette matrice a ici. Donc la première chose à faire, ici on est dans euh, R3 du coup lambda fois L'identité, c'est égal à quoi C'est égal à la matrice, où en fait, sur la diagonale, au lieu d'avoir des 1, on va avoir des lambda, et partout ailleurs, on va avoir des 0. Donc on va avoir lambda 0 0, 0 lambda 0, 0 0 lambda. Ça c'est ma matrice lambda fois euh, euh, l'identité euh, dans R3. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la matrice lambda fois l'identité moins A. Cette matrice-là, c'est la matrice où je vais avoir du coup lambda moins moins 1, ça fait lambda plus 1. Lambda plus 1. 0 moins 2, moins 2. 0 moins 2, moins 2. Euh, 0 moins 2, moins 2. Lambda moins 2, lambda moins 2. Lambda moins 2 euh, 0 moins moins 1 plus 1, euh, 0 moins 2 moins 2, euh, 0 moins moins 1 1 et lambda moins 2. Lambda moins 2. Donc, ça c'est ma matrice lambda fois l'identité moins A. Alors, dans R2, c'était assez facile de, de calculer le déterminant d'une matrice 2 par 2, mais le euh, déterminant d'une matrice 3 par 3, c'est euh, moins trivial. Alors, on va utiliser une méthode, on va recopier les deux premières colonnes ici à côté de la matrice. Donc, si je fais ça, je vais avoir lambda plus 1, moins 2, moins 2, moins 2, lambda moins 2, et 1. Et en fait, pour obtenir le déterminant, je vais dire que c'est euh, le produit des coefficients sur cette diagonale là, plus. Le produit des coefficients sur cette diagonale là, plus le produit des coefficients sur, cette, di diagonale des coefficients sur euh, cette diagonale là, moins le produit des coefficients sur cette diagonale là, moins le produit des coefficients sur cette diagonale là, moins le produit des coefficients sur cette diagonale là. Donc tout ce qu'il me reste à faire c'est faire le calcul. Donc qu'est-ce que j'ai J'ai euh, lambda plus 1. Donc sur cette diagonale-là j'ai lambda plus 1 fois lambda moins 2 fois lambda moins 2 fois lambda moins 2 fois lambda moins 2. Lambda moins 2. Euh, sur cette diagonale-là, j'ai euh, moins 2 fois 1 fois moins 2. Du coup, moins 2 fois moins 2 ça fait plus 4 plus 4. Sur cette diagonale-là, j'ai la même chose, j'ai Moins 2 fois moins 2, du coup ça fait plus 4. Et du coup ensuite, je vais avoir un moins. Moins quoi Moins, moins 2 fois moins 2, du coup. Moins 4 fois lambda moins 2. Du coup, moins 4 fois lambda moins 2. Ensuite sur cette diagonale-là, j'ai moins lambda plus 1. Moins lambda plus 1. Et ici, j'ai... Moins 4 fois lambda moins 2, moins 2. Moins 4 fois lambda moins 2. Lambda moins 2. Et du coup, ce que je veux, c'est que ça, ce soit égal à 0. Bon, alors là, il faut maintenant que je développe un peu tout ça. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir Je vais garder le lambda plus 1 en facteur et je vais développer la deuxième partie. Donc je vais avoir lambda plus 1 facteur de lambda carré, lambda carré, euh, moins 4 lambda, moins 4 lambda, plus 4. Euh, ensuite, ici, je vais avoir plus 8, euh, moins 4 lambda, moins, euh, donc plus 8, ici, moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8, plus 8 moins lambda moins 1, euh, moins 4 lambda plus 8 égale à 0. Donc je vais continuer. Qu'est-ce que j'ai ici Donc ici je vais développer. Donc je vais avoir, si je multiplie lambda par tout ça, je vais avoir lambda cube, lambda cube, moins 4 lambda carré. Euh, moins, euh, plus 4 lambda, plus 4 lambda, euh, plus lambda carré, lambda carré, moins 4 lambda, euh, plus 4. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'il me reste 8, donc pardon, les termes en lambda, je vais avoir moins 4 lambda, moins lambda, moins 4 lambda, donc ça fait moins 9 lambda, moins 9 lambda. Et les termes ici, je vais avoir euh, 8 plus 8, euh, moins 1 plus 8, donc ça fait plus 23. Plus 23 égale à 0. Très bien, du coup la dernière étape, j'ai euh, du coup lambda cube. En lambda carré, j'ai moins 4 lambda carré plus lambda carré, du coup ça fait euh, moins 3 lambda carré. Moins 3 lambda carré. Les termes en lambda, j'ai plus 4 lambda, moins 4 lambda, du coup ça s'annule. Il me reste moins 9 lambda, moins 9 lambda. Et les termes constants, j'ai plus 4 plus 23, du coup ça me fait plus 27. Plus 27 égale à 0. Donc ça c'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de ma matrice A. C'est du coup une équation du troisième degré. Ce n'est pas facile forcément à résoudre. Mais ce qu'on sait, c'est que les euh, racines de cette, euh, de cette équation sont forcément des diviseurs de 27. Du coup, qu'est-ce qu'on a On a, On a euh, 1, euh, 3, 9 ou 27. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est juste essayer ces racines et voir si elles fonctionnent. Donc si on prend euh, comme racine 1, qu'est-ce qu'on a On va avoir euh, 1 au cube, ça fait 1. Moins 3 fois 1 au carré, du coup, ça fait moins 3. Moins 9 fois 1, du coup, ça fait moins 9. Plus euh, 27. Et ça, c'est différent de 0. Du coup, 1 n'est pas racine de euh, cette équation. Si on prend euh, 3, qu'est-ce qu'on a Alors, euh, 3 au cube, ça fait 27. Euh, moins 3 euh, fois 9 du coup ça fait moins 27. Euh, plus, euh, moins 9 fois 3 du coup ça fait moins 27. Plus 27, du coup 3, donc ça fait euh, 27 moins 27 moins 27 plus 27, ça fait bien 0. Donc 3 est bien racine de, de cette équation. Alors on va, on peut du coup factoriser par euh, euh, lambda moins 3. Du coup, ça fait lambda moins 3. Et alors, pour savoir ce qu'il me reste, euh, ça, ça ça peut paraître un peu compliqué, mais qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir en un terme en lambda carré, forcément. Du coup, si on a un terme en lambda carré, lambda carré, donc ça fait lambda cube ici, et ça fait moins 3 lambda carré. Du coup, il reste plus de terme en lambda carré. Et du coup, forcément, on n'a pas de terme en lambda parce qu'il ferait apparaître un terme en lambda carré. Du coup, ce qui reste, c'est un terme euh, constant. Et du coup, ce terme constant, à quoi il est égal ben, On sait qu'on va avoir lambda fois ce terme constant qui va être égal à moins 9 lambda. Du coup, ça veut dire que ce terme constant, c'est moins 9. Voilà. Et du coup, on a bien euh, lambda cube ici. moins 3 lambda carré ici, euh, moins 9 lambda ici, moins 3 fois moins 9, du coup ça fait plus 27, ici du coup on a bien les deux équations qui sont égales, et du coup ça c'est égal à 0. Et maintenant ce qu'il nous reste c'est à définir ce terme ici, ça c'est assez simple, j'ai du coup lambda moins 3 facteur 2, et lambda carré moins 9, ça fait lambda moins 3 fois euh, lambda plus 3. Donc lambda moins 3 fois lambda plus 3 égale à 0. Et du coup, ça y est, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait. On a réussi à obtenir nos valeurs propres. Les valeurs propres de la matrice A sont lambda égale à 3, et on voit qu'on le, qu le voit apparaître deux fois, ou lambda égale moins 3, du coup, ce qu'on a vu, c'est que même si c'était un peu plus lourd en termes de calcul, on est capable sans trop de problème de trouver les valeurs propres de ma matrice dans R3, du coup, avec une, une matrice un peu plus compliquée que ce qui se passe dans R2. Voilà, j'espère que tu as bien compris ce point-là, et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.